notre monde, depuis les premières prémices de son existence, a connu plusieurs métamorphoses qui ont révolutionné ses frontières et aux côtés géologiques et aux côtés culturels et ethniques. Depuis l'ère romaine jusqu'au siècle moderne, notre entité terrestre a connu plusieurs mutations qui ont fait d'elle des pays du Nord et des pays du Sud. Des pays du Nord, des pays du Sud, des pays riches, des pays pauvres. Ces pays riches ont vu et ont adopté quelques politiques, les politiques de délocalisation et qui n'est qu'un transfert des pays du Nord et d'activités d'emploi et d'autres capitaux vers les pays du Sud, et c'est que là où surgit la polémique. Est-ce que les politiques de délocalisation des pays du Nord vers les pays du Sud constituent-elles un danger, oui ou non, pour ces derniers ? Ce sujet qui pourrait prendre plusieurs aspects, aussi bien économiques que sociaux, mais je pressens qu'il pourra prendre un côté économiste. Parce que les deux équipes qui vont s'affronter aujourd'hui sur le pupitre sont deux économistes. Alors commençons par la première. Mesdames et messieurs, l'équipe qui va défendre la position du pour. Applaudissez fort, la deuxième année économie 1. Et comme chaque débat, il y a obligation d'une équipe qui défend l'opposition. Alors, mesdames et messieurs, acclamez fort la première année économie. Ainsi que notre très cher jury, M. Ouhdou, Mme El Araki, Mme Simari et M. Nizar. Pour assurer le bon déroulement du débat, je me dois de vous rappeler certaines règles. Quant aux débatteurs, les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer au moins une minute. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, qui veut dire 20 minutes, et la nouvelle règle y a été intégrée. 2 minutes supplémentaires seront accordées à chaque équipe dans le cas où leur niveau est rapproché. L'intervention sera de manière improvisée par l'élève choisi. Quant à l'audience, l'audience est tenue de respecter les débatteurs. Et pour ce faire, il faut respecter les instructions suivantes. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, et ce, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toutes sortes d'irrespects. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Interdiction de monter sur scène à la fin du débat. Et dernière interdiction, interdiction d'utiliser les téléphones portables. Alors, je prie Monsieur le Directeur pour faire le tirage au sort. Alors déjà, je souhaite bonne chance aux deux équipes et la deuxième année éco commence. Monsieur le directeur, honorable jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Tony Blair, ancien premier ministre britannique, cite un jour « La meilleure chose qu'un gouvernement puisse faire, c'est d'éviter de donner l'illusion que nous pouvons empêcher les changements. » Fin de citation. Et c'est la même chose pour notre débat d'aujourd'hui. Mes camarades et moi, nous ne pouvons en aucun cas nier l'importance qu'a prise la délocalisation après la mondialisation et la globalisation de l'économie. Il n'est pas question de débattre si oui ou non nous devons refuser la délocalisation, mais plutôt, il est plutôt question de savoir comment peut-on bénéficier du système économique d'aujourd'hui avec tous ses concepts, tout en évitant ses défauts néfastes. Parce que, soyons francs, mes chers camarades, la délocalisation est un concept dangereux. La délocalisation menace les pays du Sud. Et juste pour l'information, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, la notion de la délocalisation a commencé à être dépassée par le temps ces dernières années. Certains économistes ou politiciens ne l'utilisent même plus. Mais plutôt, pendant ces dernières années, on a commencé à faire intégrer le terme de colocalisation afin d'éviter celui de la délocalisation qui, bien sûr, est un synonyme péjoratif de la dégradation du tissu social et de l'augmentation du chômage. Pourquoi ce changement?
Tout simplement parce qu'on chercherait, paraît-il de nos jours, à favoriser l'intégration et l'égalité. Il est vrai que la délocalisation a des avantages, quelques avantages, mais il ne faut pas oublier l'impact dangereux que ça a sur les pays du Sud. Ces pays qui sont inhumainement exploités par les pays du Nord dans tous les domaines. Chère audience, pensez-vous que c'est par altruisme que ces pays délocalisent leurs industries vers les pays du Sud ? Par amour, pour nos beaux yeux, pour notre intérêt ? Non mais quelle blague ! Si ces pays optent pour la délocalisation, c'est tout simplement pour délocaliser leurs problèmes économiques, écologiques et sociaux, ni plus ni moins. Et mes camarades et moi allons vous démontrer, preuve à l'appui, l'impact ô combien néfaste sur l'économie d'aujourd'hui. Merci. Chère audience, honorable jury, chers camarades, monsieur le directeur, bonsoir. Nous revoilà ce soir, ravis certes du privilège d'avoir atteint la demi-finale, mais également perplexe devant la complexité d'un sujet sur lequel les écrits se multiplient et les opinions divergent. Cher auditoire, pendant les dernières décennies, le monde a subi des transformations importantes de son système de production en raison de processus de globalisation et qui représentent la phase actuelle de la mondialisation dans laquelle l'économie mondiale connaît des mutations profondes. Ces mutations sont marquées par une dilution des frontières, une internationalisation du commerce, un progrès technique impétueux. Ainsi, les échanges internationaux se sont accrus. De nouveaux pays industrialisés émergent. Des intégrations économiques complexes se développent. Les entreprises multinationales sont donc devenues un acteur principal de développement. Ces déterminants font que la concurrence entre ces entreprises devient intense, cherchant la maximisation des profits et adoptant des stratégies de restructuration, parmi lesquelles figure justement la délocalisation. Alors, chère audience, il nous paraît fort utile de nous pencher sur ce terme tellement vaste et polysémique de la délocalisation, et qu'on peut résumer dans le transfert d'activités, de capitaux et d'emplois en des régions ou des pays du monde bénéficiant de plusieurs avantages compétitifs, c'est-à-dire de conditions économiques plus favorables. Nous avons donc, mes camarades et moi, la responsabilité de vous démontrer ces avantages, les avantages que les pays du Sud pourraient tirer à travers ces politiques. Ces pays du Sud qui sont appelés à évoluer pour pouvoir aller de l'avant et non sombrer dans le marasme économique, car ceux qui n'avancent pas reculent, n'est-ce pas ? Chère audience, nous allons vous convaincre que la délocalisation ne peut en aucun cas constituer un danger pour les pays d'accueil, mais qu'au contraire, elle représente la bouée de sauvetage qui les mènera vers l'ouverture et l'identité universelle pour les rendre plus riches, plus rationnels et plus adaptés à la conjoncture internationale. Les attentes de ces pays l'attestent et nos objectifs économiques le confirment et le certifient. Merci. Mes chers camarades, et afin que nous soyons clairs dès le début de ce débat, il n'est pas question, dans votre cas, de citer les avantages de la délocalisation. Nous l'avons dit nous-mêmes, la délocalisation détient certains avantages. Néanmoins, il s'agit dans ce cas de démontrer si oui ou non, elle constitue un danger pour les pays du Sud. Donc votre mission lors de ce débat est de démontrer si elle constitue un danger, non pas de démontrer ses avantages. Vous êtes en train de clamer, mes chers camarades, que la délocalisation constitue un avantage pour ces pays du Sud, un prétendu développement. Or, il ne s'agit en fait que d'une exploitation pure et simple. Je vais vous le démontrer par l'intermédiaire d'un exemple assez simple. James est un travailleur américain de classe moyenne. Il bénéficie d'un salaire mensuel de 1 500 $, ce qui équivaut à peu près 12 000 dirhams marocains. Il détient une sécurité sociale, il a un accès à la caisse de retraite. Il est propriétaire d'une voiture et d'un studio, certes très modeste, mais qui est très confortable. Et ses revenus de fin de mois sont peut-être justes, mais il vit à son aise. Pour le même travail, ici, dans notre cher pays, le Maroc,
Hamid est un travailleur marocain. Il bénéficie d'un salaire insignifiant de 2300 dirhams par mois. Il n'a pas de sécurité sociale. Il n'a aucune chance d'accéder à la caisse de retraite. Pire, il n'a même pas de contrat de travail qui réglemente ses droits en tant que travailleur marocain. Il a une famille de 6 ou 7 personnes à charge et ils vivent tous dans un appartement à peine assez grand pour 2 personnes. Vous me direz peut-être que le cas de Hamid n'est pas à généraliser à tous les Marocains. Néanmoins, une enquête réalisée par le Haut Commissariat au Plan en 2014 démontre que le personnel employé par les entreprises délocalisées au Maroc rentre pratiquement dans la catégorie de Hamid. Et ce, sans parler des travailleurs non déclarés des manufactures de textiles partout dans le Maroc. Lors de cette délocalisation, on clamera haut et fort que l'on tentera, lors de ces années, de faire passer Hamid de sa situation actuelle et de le rapprocher vers la situation de James. Or, d'ici 10 ans, et ce, si cette entreprise survit jusque-là, James aura progressé, sera promu et aura gravi les échelons. Hamid, quant à lui, restera stagnant dans une situation extrêmement défavorisante et c'est là où réside toute l'exploitation. Une exploitation flagrante, dénigrante, humiliante. Et le pire dans l'histoire, mesdames et messieurs, c'est qu'on l'accepte sans le moindre, aveuglément. Merci. Ne craignez pas, chers camarades. Nous savons très bien ce que nous allons défendre. Et puisque nous défendons le fait qu'il n'est pas un danger, il est bien évident que nous citons ses avantages. Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler, car vous le savez déjà sans doute, que les échanges économiques internationaux sont et ont toujours été la base du progrès et de la prospérité du monde depuis son existence, et que l'homme a compris, suite à une longue expérience, qu'aucune nation ne peut progresser et satisfaire tous ses besoins sans l'aide d'autres nations. Ce rapprochement économique, qu'est la délocalisation, s'accompagne d'une division internationale du travail. De nombreux pays nordiques délocalisent leurs industries vers les pays du Sud afin de bénéficier d'une main-d'œuvre relativement compétente dans les tâches à accomplir et à des coûts plus raisonnables. Il s'agit encore partiellement de postes demandant peu de qualifications, ce qui assure à la population des pays du Sud la création d'emplois adaptés à ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il en résulte une création d'emplois massive dans les pays du Sud, ce qui favorise leur développement et permet de les replacer dans le circuit économique mondial. Les pays du Sud ont ainsi tout intérêt à encourager ce genre de délocalisation. Les investissements étrangers ont été vigoureusement encouragés, notamment dans les NPI, nouveaux pays industrialisés. Et vous qui donnez l'exemple de Hamid, donnons des exemples plus concrets. Regardons la Chine, l'Inde, le Brésil, qui ont compris rapidement les bénéfices d'une telle délocalisation. Ainsi, de nombreuses mesures ont été mises en place pour inciter ces entreprises à s'installer sur leur territoire. Et voyez le résultat, ces pays sont aujourd'hui apparents parmi les puissances économiques mondiales. Par affirmation, cette délocalisation est une source de revenus très importante, autant pour les pays du Nord que pour les pays du Sud. C'est une relation totalement gagnant-gagnant, et l'expression parle d'elle-même. Merci. Mes chers camarades, la délocalisation a, je vous l'accorde, de nombreux intérêts. Mais elle détruit plus qu'elle ne crée. Passons. Et vous prétendez que la délocalisation sert les intérêts des pays du Sud. Mais détrompez-vous, c'est tout à fait l'inverse. Veuillez suivre avec moi ce raisonnement. Alors, les pays du Nord vont se délocaliser au Sud. Et nous savons tous qu'au Nord, les revenus et le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé qu'au Sud. Donc, les entreprises se délocalisent. Elles payent des impôts, une main-d'œuvre et des factures beaucoup moins chères par rapport à leur pays d'origine. Donc, elles vont dégager plus de gains par rapport à leur pays qui est bien sûr au Nord. En plus de cette inégalité régionale, les pays du Sud souffriront aussi d'épuisement de leurs matières premières, pétrole, minerais et autres, de pollution, pauvreté, conflits sociaux et bien sûr, fabricants sans usine.
Prenons l'exemple de Casablanca. Alors, Casa a été la destination des toutes premières délocalisations, mais elle a cependant souffert des conséquences néfastes de cette même délocalisation. Comme par exemple l'afflux de la migration rurale, la création de bidonvilles, et sans négliger que, avec un paysage urbanistique défiguré. Sans oublier que les citoyens du Sud sont souvent maltraités, exploités et utilisés comme cobayes et comme esclaves consentis, vu que dans ces pays, les lois concernant les droits de l'homme sont rarement appliquées. Tout cela démontre, chers camarades et chers publics, que cette délocalisation ne fera qu'accentuer les inégalités sociales et régionales. Les pays du Nord seront plus favorisés, alors que les pays du Sud, oubliés. Et si l'on suit la même logique, cette délocalisation ne nous amènera point au développement, mais plutôt à une domination et une exploitation. Et je ne pense pas que votre objectif serait de bâtir des relations Nord-Sud fondées sur la domination, dominant-dominé, et sur le principe de l'exploitation. Veuillez-vous vraiment vivre dans un monde divisé en deux ? Un monde où seuls les pays du Nord règnent et où les sudistes sont écartés, oubliés. Voulez-vous vraiment réaliser cela ? Merci. Mesdames et messieurs, honorable jury, chers partisans du pour, bonsoir. Alors, vous avez parlé d'esclavage, laissez-moi vous répondre, je vais essayer de le faire très brièvement. Je conviens que certains dépassements ont eu lieu par le passé et sont toujours possibles, mais cela ne résulte pas de la délocalisation elle-même, mais du manque de démocratie de certains pays du Sud. Car comment voulez-vous qu'une entreprise étrangère respecte votre citoyen si vous-même ne le respectez pas ? Passons. De nos jours, le débat sur la mondialisation se focalise sur la délocalisation. Beaucoup d'économistes ont abordé ce sujet. Malheureusement, peu d'entre eux ont parlé de l'impact de la délocalisation sur les pays du Sud. Chers camarades, sachez que le fait de penser que la délocalisation constitue un danger pour les pays du Sud est en elle-même un danger. Je m'explique. Laissez-moi vous emporter dans un long voyage à quelques dizaines de milliers de kilomètres de ce pupitre. Destination, la Chine. Exemple imminent des pays qui ont connu une croissance fulgurante, en partie grâce à la délocalisation. Ce pays a su étudier les points faibles des pays occidentaux pour vendre à tout prix. Les fleurons de l'industrie française font fabriquer, par exemple, leurs TGV, leurs avions ou même leurs centrales nucléaires en Chine. Cerise sur le gâteau. La France offre ainsi aux Chinois le savoir-faire des Français sur un plateau d'argent qui ne peut guère se refuser. En d'autre part, l'envoi d'un astronaute chinois dans l'espace à bord d'un engin conçu et fabriqué en Chine en 2003, a eu un impact psychologique sur les pays occidentaux. Il s'agit d'un symbole fort et significatif pour l'avenir, notamment pour ce qui est de l'aptitude des pays, jusqu'à tout récemment dit pays du Sud, pays en cours de développement ou pays sous-développés, à accueillir des délocalisations dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Chers camarades, rebroussons chemin. Sans doute, ce serait absurde de parler de délocalisation sans citer l'exemple de notre cher pays, le Maroc. Le Maroc n'est pas en reste, puisqu'aujourd'hui, le plus grand constructeur d'aéronautique, j'ai nommé Airbus, y fabrique des équipements hautement qualifiés, sensibles et complexes, conçus, vous l'avez deviné, par une main-d'œuvre marocaine. Donc, ceci nous prouve à quel point les pays du Sud peuvent bénéficier de la délocalisation. Je cite, le savoir-faire, les compétences et la qualification de la main-d'œuvre, ce qui leur permettra de devenir des pays producteurs et non des pays consommateurs. Dans ce cas, le plus grand des avantages sera pour les pays du Nord et non pour les pays du Sud. Merci beaucoup. La Chine détient toutes les caractéristiques économiques qui pourraient mener à croire que c'est un pays du Nord. Or, le côté social a son importance. Donc, pardonnez-moi, mes chers camarades, de vous contredire, mais la Chine, selon l'OMC, est bien un pays du Sud. Passons. Dès le début de notre débat, on a parlé d'économie, de problèmes sociaux, mais on a oublié notre chère écologie.
Cette dernière subit une forte pollution à cause de ces pays émergents. Il m'est nécessaire, mesdames et messieurs, de vous rappeler, et pour plus de clarté, que les pays du Sud constituent, et ce depuis longtemps, un champ d'expérimentation de toute forme de substances et produits chimiques. Or, les entreprises et autres sociétés étrangères visent avant toute chose le gain et le profit, quitte à mettre en danger la santé publique des populations du tiers-monde. La délocalisation des industries polluantes vers les pays du Sud a été et depuis toujours l'un des objectifs les plus importants des pays du Nord, vu que pour se débarrasser de cette pollution, de ces produits toxiques, voire même radioactifs, il fallait les éloigner, tout en conservant le contrôle et les bénéfices accumulés. L'Afrique, par exemple, a constitué une décharge pour ses marchands de la mort, et les conséquences, bien évidemment, sont indubitablement catastrophiques pour la santé de l'homme. Et donc, mesdames et messieurs, voudrions-nous vraiment sacrifier notre capital humain afin de permettre à des millionnaires de devenir milliardaires? Je ne pense pas. Par ailleurs, mes chers camarades, je tiens à vous rappeler, au cas où vous l'auriez oublié, que seules les entreprises ayant des moyens financiers extrêmement élevés peuvent se permettre le luxe de la délocalisation. Les entreprises des pays du Sud, aussi grandes qu'elles puissent être, ne pourront jamais, jamais concurrencer des géants tels que Samsung, Yves Saint Laurent, Renault, et j'en passe. Les entreprises des pays du Sud verront leur part du marché engloutie, petit à petit, par des entreprises étrangères, et ce, jusqu'au dépôt de leur bilan. En d'autres termes, jusqu'à leur faillite. Sans parler des petits commerçants, des artisans, des petites et moyennes entreprises, qui n'oseront même pas penser à faire face à ces géants. Au final, on se retrouvera dans un marché monopolisé par des produits nordistes, et où il n'y a pas l'ombre d'un seul produit sudiste. Et ce, jusqu'à l'extinction des entreprises des pays du Sud. Vouloir attirer les investissements étrangers est une bonne idée. Néanmoins, on ne pourra jamais le permettre au détriment de l'exploitation inhumaine de nos ressources humaines, jamais au détriment de l'exploitation de nos ressources naturelles et jamais, jamais au détriment de notre environnement. La croissance interne d'un pays est importante, bien plus importante que l'attrait des investissements. Merci. Chers camarades, on a parlé de la Chine vers les années 80, donc ne nous poussez pas à croire qu'aujourd'hui, la Chine est un pays du Sud. Et puis, vous qui parlez d'écologie, ce problème a bien existé, mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé pour deux raisons. Premièrement, l'augmentation du niveau de la conscience écologique. Et deuxièmement, le développement de nouveaux moyens de communication a démocratisé l'accès à l'information. Passons. Grâce à la mondialisation, les différences technologiques entre les pays diminuent. Les sociétés multinationales délocalisent leur activité vers les pays dits pauvres et transmettent leur technologie. Les multinationales gagnent plus, certes, mais les pays du Sud gagnent en plusieurs niveaux. D'un côté, un transfert inespéré de technologie. D'une autre part, une ressource importante en devises et la création de milliers d'emplois. Or, le fossé socioculturel qui constituait un obstacle à un tel rapprochement n'existe plus. Grâce à l'Internet et aux moyens de communication, un citoyen du Sud a accès à aux mêmes informations, aux mêmes contenus numériques qu'un citoyen d'un pays du Nord. La connaissance et l'information deviennent accessibles à tous. Les entreprises ne sont évidemment pas les seules bénéficiaires de cette délocalisation. En effet, les entreprises peuvent et ont des intérêts non dissimulés dans la délocalisation. Ainsi, lorsqu'une entreprise se délocalise pour s'installer dans un nouveau pays, elle tire profit des avantages attribués à cette nouvelle installation, c'est-à-dire de la valeur ajoutée que crée cette entreprise. De même, le pays profitera de l'influence de l'entreprise sur la région, ce qui créera une sorte de synergie sur les autres entreprises. Cette entreprise deviendra le moteur de cette région et dynamisera le pays.
Le pays d'accueil peut ainsi bénéficier d'une nouvelle sorte de publicité, ce qui incitera les autres entreprises à venir faire de même dans ce pays. Et cela correspondrait en une sorte d'investissement qui peut stimuler la croissance de ce pays. Mes chers camarades, votre Chine que vous dites si développée, qui a connu des progrès, elle n'est peut-être, vous n'avez peut-être pas mentionné que c'est un pays du Sud, néanmoins vous avez dit que la Chine était un pays certes très développé. Or, comment expliquez-vous qu'elle est actuellement deuxième sur le plan mondial au niveau de la pollution ? C'est ce que vous considérez comme étant un développement ? Par ailleurs, mon cher camarade, vous avez dit tout à l'heure que les inégalités résultent d'un manque de démocratie dans les pays. Permettez-moi de vous répondre donc par une simple question. Comment vous pouvez délocaliser une entreprise dans un autre pays alors que le terrain n'est même pas prêt pour cette délocalisation ? Résolvez le problème de la démocratie et après, délocalisez autant que vous voulez. La délocalisation, une belle opportunité, oui, tout le monde est content, le taux de chômage baisse pendant un certain temps. Néanmoins, quand à peine un an plus tard, on se retrouve avec plus de 400 000 personnes au chômage, c'est tout de suite moins excitant. En mai 2012, Motorola ferme son usine de production en Chine. Bilan d'une fermeture qui peut sembler anodine, 30 000 personnes au chômage, rien que ça. En janvier 2008, Volkswagen ouvre son unité de production à Hong Kong avant de la fermer à peine 9 mois plus tard, en septembre 2008. Bilan de cette autre fermeture, 5 000 personnes qui ont retrouvé leurs espoirs réduits à néant. IBM, General Electric, JP Morgan, toutes des entreprises qui ont ouvert et fermé des filiales en Inde durant les 4 dernières années. Et la liste reste encore longue et scandaleuse. Mes chers camarades, vous devez le savoir, quand on parle d'un certain développement, on parle d'un développement durable, d'un développement à long terme. On parle d'un développement qui pourra bénéficier aux sociétés actuelles et aux sociétés futures. Et vous, en tant qu'économiste, vous devez le savoir mieux que quiconque, on ne le fait pas dans le court terme. On ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. Et quand on parle de développement durable et au vu des exemples que je viens de citer, on est encore bien loin du compte. Rendez-vous donc compte que la bouée de sauvetage qu'est la délocalisation, comme vous l'avez cité dans votre introduction, est en fait une bouée trouée qui finira tôt ou tard par vous faire couler. Donc, mesdames et messieurs, j'en appelle à votre bon sens. Opteriez-vous pour une solution durable qui ne dépend pas du bon vouloir des pays du Nord ou préfériez-vous opter pour la simplicité au risque de vous retrouver 6 pieds sous terre d'ici à peine quelques années. Merci. Chers camarades, nous rappelons que la Chine est aussi la deuxième puissance économique mondiale. C'est le pays détenant le PIB de 6807,87 dollars. Passons. Vu comme une alternative à la fuite des cerveaux, dont les pays du Sud sont souvent victimes, la délocalisation chez Rogers peut en effet aider à freiner ce phénomène qui représentait auparavant une grande hémorragie pour les pays du Sud. Je m'explique. Conditions de vie déplorables, marasme économique persistant, inégalité croissante entre les riches et les pauvres, mobilité à l'échelle mondiale. Telles sont les causes de ces déplacements de population. Chers camarades, permettez-moi de vous éclaircir notre idée en une simple phrase. La délocalisation des pays du Nord vers les pays du Sud rend les riches plus riches et les pauvres riches. Car grâce à ce phénomène mondial que vous prétendez être un danger, les habitants des pays sous-développés auront plus de ressources financières et pourront développer les différents domaines où résident les défaillances qui mènent à la migration des compétences, notamment le domaine scolaire, de politique, économique et j'en passe. Alors, chers opposants, vous voyez que la délocalisation de ces forces économiques vers les pays du Sud permettra de freiner la migration des compétences vers les pays du Nord, ce qui apportera un très grand profit à leur pays natal et qui amènera développement, puissance et placement sur l'échelle économique mondiale. Car ces compétences intellectuelles migrées dans les pays développés jouent un très grand rôle dans leur puissance économique, puisque la plupart d'entre elles sont des dirigeants principaux des plus grandes compagnies et industries
qui, tellement vastes qu'elles sont, parviennent à la délocalisation vers d'autres pays. Oui, chère audience, imaginez que tout cela se produit dans un pays en voie de développement. Oui encore, voyons loin, ça pourrait donner des résultats auxquels vous ne vous attendez peut-être pas, mais qui seront bel et bien extraordinaires. Merci. Erreur. La Chine rend les riches plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Ça d'un côté. D'un autre côté, vous avez dit que c'est la deuxième force mondiale. Eh bien, c'est également le deuxième pays le plus pollué au monde. Passons. Mes chers camarades, vous semblez ne retenir que le soi-disant avantage de la création de l'emploi, le travail, et vous omettez complètement les conséquences et la face sombre de la délocalisation. Prenons notre pays par exemple. Selon quelques statistiques concernant le chômage d'inadéquation au Maroc, la catégorie la plus touchée par le chômage est celle des diplômés. En gros, plus tu travailles, moins tu as de chances pour trouver un emploi adéquat à tes compétences acquises. Mais pas la peine de perdre espoir, n'est-ce pas? Après tout, les firmes délocalisées embauchent sans expérience professionnelle. Vous ne remarquez pas l'absurdité de la situation? Il suffit d'aller voir dans les usines et les grandes entreprises, surtout les centres d'appel, pour voir la réalité. Ces centres d'appel embauchent la majorité des salariés dans ces centres d'appel est constituée de logisticiens, d'ingénieurs, d'informaticiens, de managers et j'en passe. C'est triste comme réalité quand même. Qu'est-ce qu'un profil avec un bac plus 5 fabrique dans un centre d'appel? Pendant cette période de travail, bien sûr, là où il ne le faut pas, non seulement ces profils perdent de leur capacité, de leur spécialité, mais le pays, lui, perd de ses cadres qui sont censés être les piliers de son essor. En gros, la délocalisation ne fait qu'enterrer les cadres sous prétexte de création de l'emploi. La responsabilité, bien sûr, incombe au premier lieu à ces gouvernements qui, par soif de gains faciles, sacrifient ce qu'ils ont de plus cher, le capital humain. D'ailleurs, ceux de nos cadres qui désespèrent finissent par vendre leur savoir aux pays du Nord qui en profitent sans complexe et qui se présentent comme les tuteurs et les protecteurs des pays du Sud, alors que ces derniers se complaisent dans la servitude consentie. Voilà les conséquences de ce concept que nos camarades acclament tant. Chers camarades, pour répondre à votre réponse pour la Chine, déjà notre débat ne parle pas de la Chine seulement, ça parle de tous les pays nordiques. De plus, chers camarades, une personne avec un bac plus 1 ne veut pas dire une personne qualifiée. Permettez-moi de vous éclaircir encore un point très important. Le débarquement de nouvelles sociétés étrangères soulèvera non seulement, je le répète, non seulement le niveau économique, mais aussi le niveau de vie de plusieurs personnes. Mettons-nous au cœur de la situation. De nouvelles vastes sociétés étrangères arriveront. Et l'industrie locale, que lui arrivera-t-elle? À la bonne heure, vous voyez ça aussi comme un danger? Étalons alors nos propos. D'abord, on ne peut pas limiter le droit à la qualité pour tous les citoyens d'un pays à la vie d'une société qui n'est pas assez développée. Mais en mesure d'accompagnement, et comme vous me le direz, au lieu de penser que les sociétés étrangères vont éliminer et tuer l'industrie locale, ces sociétés doivent se soumettre déjà à la loi de la concurrence et doivent développer leurs compétences et leurs performances. Et voilà la surprise, ces compagnies étrangères sont exactement ce dont les pays du Sud ont besoin pour relancer leur activité industrielle, puisqu'il est évident que toute personne qui y travaillera sera formée dans des domaines différents, ce qui présentera à ces pays une main-d'œuvre mieux qualifiée et plus compétente. En plus, les salariés de ces dites sociétés, qui, je vous le rappelle, étaient à la plupart des chômeurs ou bien très mal payés,
vont toucher des revenus plus raisonnables, en tout cas pas en dessous des normes nationales, cela dépend des pays. Ce qui engendrera plus de consommation et bien sûr une croissance des chiffres d'affaires de plusieurs secteurs qui seront injectés dans l'économie de ce même pays. Soyons brefs et clairs, cette stratégie de délocalisation est bien plus bénéfique que néfaste pour les pays du Sud. Merci. Mes chers camarades, tout d'abord, je tiens à rectifier une erreur que vous avez citée lors de votre intervention. Nous ne parlons pas d'un bac plus 1, mais d'un bac plus 5. Alors, une personne détentrice d'un bac plus 5, je ne sais pas vous, mais moi, je la considère comme hautement qualifiée. Après, vous avez peut-être raison, la Chine n'est pas le sujet de notre débat. Néanmoins, je vous rappelle que c'est vous qui l'avez cité en premier et nous sommes dans l'obligation de vous répondre. On ne peut pas laisser ça passer inaperçu. Vous avez également parlé d'une loi de concurrence qui a été établie auprès de ces entreprises. Je tiens à vous informer que cette loi ne prend place dans les pays du Sud que depuis à peine 2 ans. Et il est déjà trop tard. Il faut voir ce qui a été, les pays qui ont été impactés d'une façon néfaste avant qu'on ait établi cette loi. Après, vous avez également parlé d'un certain revenu très avantageux, puisque étant donné que ces personnes n'avaient déjà pas de revenus. Je suis désolée, mais pour ma part, 2300 dirhams, comme je viens de le citer pour le cas de Hamid, ce n'est pas ce que j'appellerais un revenu avantageux. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est ça. Mes chers camarades, mesdames et messieurs, pendant longtemps, les hommes avaient pu s'ignorer. Égyptiens et Chinois avaient cru dominer le monde sans jamais se rencontrer. Le Nord avait oublié le Sud. Néanmoins, tout cela n'est désormais plus possible. Fin de citation. À l'époque où Antoine Bello avait prononcé ces quelques mots, il ne se doutait pas le moins du monde à quel point il avait raison. Il fut un temps où le Nord et le Sud faisaient leur chemin, chacun de son côté. Il fut un temps où le Nord était aussi sous-développé que le Sud actuellement. Le Nord a gagné en force, il est monté en puissance, il a exploité la moindre petite parcelle de son territoire, la moindre ressource humaine, la moindre ressource naturelle dont il disposait. À présent, le Nord est épuisé, fatigué, ruiné. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Comment pouvons-nous espérer qu'il nous aide ? Il a consommé encore et encore sans jamais se douter qu'arriverait le jour où il n'aurait plus rien à consommer. Et c'est le cas échéant. Une seule solution s'offre alors pour les nordistes, le Sud. Un Sud resplendissant, un Sud qui a encore toute sa splendeur, qui est à l'état naturel, à l'état brut pratiquement. Et le Nord le considère comme son opportunité pour revivre, son opportunité pour renaître de ses cendres. Un jour, Nelson Mandela dit, je cite, « Le temps vient dans la vie d'une nation où on ne peut plus choisir qu'entre deux attitudes, se combattre ou se soumettre. » Fin de citation. Si nous permettons l'accès aux entreprises du Nord vers les pays du Sud, nous nous soumettons, nous avouons notre faiblesse, notre incapacité à bénéficier des ressources dont nous disposons. Ne laissons pas les mêmes erreurs se reproduire. Ne laissons pas les nordistes faire ce que bon leur semble des pays du Sud en les exploitant jusqu'à l'épuisement. Notre rive est l'avenir du monde, aussi incroyable que cela puisse paraître. Nous sommes l'avenir du monde, les pays du Sud et non pas les pays du Nord, avec nos terres inexploitées, avec nos ressources de minéraux encore abondantes et avec notre capital humain qui est doté de capacités inouïes qui ne demandent qu'à resplendir. Nous valons mieux que cela. Nous valons bien mieux. Ne laissons pas le reste du monde profiter de ce dont nous ne reconnaissons pas la valeur. Ne laissons pas les entreprises du Nord nous coloniser. Progressons, battons-nous, progressons par nous-mêmes, nous en sommes bien capables, il suffit qu'on le réalise. Merci. D'abord, chers camarades, je me vois dans l'obligation de vous exercer quelque chose, puisque l'année prochaine, vous aurez votre bac, inchallah. Donc, une personne avec un bac plus 5 n'est pas forcément qualifiée. Il faut différencier le côté académique de la qualification d'une personne. Passons. Et aussi, on n'a pas dit que les salariés recevront des revenus très avantageux, mais plutôt plus avantageux. Et encore, 2300 dirhams est un salaire mis par l'État du pays, et non pas par les pays délocalisés. Passons. Au fait, ce qui devait être une fête est devenu pour vous une menace. Ces quelques mots résument parfaitement votre position aujourd'hui, qui, j'espère, changera d'ici la fin de ce débat. Bon, parlons un peu de politique. Comme nous savons tous, l'économie est étroitement liée à la politique. C'est pour cela que la délocalisation des entreprises
des pays du Nord vers les pays du Sud représente une importance pour ces derniers, qui cherchent à promouvoir les relations diplomatiques et politiques avec les pays d'origine des entreprises délocalisées. Et ce, bien évidemment, par l'intermédiaire de ce processus. Chers amis, je vais vous donner une preuve tangible qui approuve cette thèse. Prenons l'exemple d'un pays du Sud, le Mali. La délocalisation qui se fait généralement dans ce pays se fait dans le domaine des services, tels que la télésaisie et les centres d'appel. Vous en avez d'ailleurs parlé. Hormis le fait que cette délocalisation crée de l'emploi, bien évidemment, vu le faible coût salarial du pays, ce phénomène a aidé le Mali, qui, je le rappelle, souffre d'une crise institutionnelle majeure, à accueillir des entreprises délocalisées dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Cette collaboration et aussi ce phénomène a aidé le Mali à coopérer avec l'Union européenne dans un partenariat à longue durée et un accompagnement pour une éventuelle sortie de crise. Cette collaboration consiste en une aide au développement, une aide humanitaire et des mesures dans le domaine de sécurité et de diplomatie, ce qui va bien évidemment apporter une certaine stabilité, non seulement pour le Mali, mais pour tous les pays du Sahel. Chers camarades, maintenant, et si les Maliens n'avaient pas accepté d'ouvrir leurs portes pour les entreprises étrangères? Réussiront-ils à sortir d'affaires? Protégeront-ils leur pays, leur patrie, leur peuple, leur histoire? La réponse dans ce cas serait non. Il serait dans ce que vous appelez danger. C'est ça le réel danger. En outre, la délocalisation aidera à démocratiser les pays dits non démocratiques, ce qui mènera vers un certain développement. Donc, chers camarades, arrêtons de parler de cette notion nord-sud et participons plutôt à une collaboration visée qui assure les intérêts des deux parties. Le général de Gaulle l'a dit, je cite, « Il faut bâtir une confédération, un organisme commun auquel les divers États, sans perdre leur corps, leur âme, leur figure, délèguent une part de leur souveraineté en matière stratégique, économique et culturelle. » Fin de citation et fin d'intervention. Merci. Mesdames et messieurs, et voilà que notre débat touche à sa fin. Je laisse le jury délibérer et je cède la parole à notre cher monsieur le directeur. Très bien. Bonsoir. Voilà, donc je tiens bien évidemment à féliciter les deux équipes pour la qualité de leur intervention. Il est évident et il est clair que la compétition devient de plus en plus rude, de plus en plus difficile. En demi-finale, on prépare donc les débats en à peine une semaine. Tout en sachant que, bien évidemment, on ne s'arrête pas de faire ses cours et de passer ses examens et tout ça. Et donc, ce n'est pas du tout évident, surtout pour de tels sujets. Vous l'aurez compris, et de toute façon, à travers les interventions des uns et des autres, que, de toute façon, ce n'est pas une histoire de tout blanc ou tout noir. Ça reste quand même mitigé. Et ce n'est pas du tout, bien évidemment, évident de prendre une position plutôt qu'une autre. Ceci étant dit, je tiens tout simplement à faire une petite correction par rapport au PIB de la Chine.
Il y a eu une erreur à ce niveau-là. Le PIB de la Chine, juste à titre d'information, en 2013, il était à peu près de 16 000 milliards de dollars. D'accord ? Donc, juste pour 16 000 milliards de dollars, ce qui faisait de la Chine alors, en 2013, la troisième puissance mondiale en termes économiques, tout de suite après les États-Unis et après l'Europe, avec 17 000 milliards et quelques aussi par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des études, mais qui ne sont pas encore figées, qui disent que la Chine est passée pratiquement à la deuxième position après l'Europe. Et il y en a même qui disent qu'aujourd'hui, la Chine est passée à la première position. Mais de toute façon, honnêtement, ça ne fait pas de différence. Ça reste des pays riches. Ou des continents, en l'occurrence, parce qu'aussi bien la Chine que les États-Unis que l'Europe, on est à des échelles complètement différentes. On ne peut pas comparer ces pays-là, qui sont pratiquement à l'échelle de continent, à des pays tels que le Maroc, on va dire. Un deuxième point sur lequel j'aimerais vous interpeller, et ce qui m'étonne d'ailleurs, comment j'aurais aimé voir traiter aujourd'hui la problématique du transfert de capitaux de ces entreprises qui se délocalisent dans les pays du Sud. Parce que la liberté justement de transfert de capitaux fait que des entreprises peuvent très très bien venir s'installer au Sud pour finalement produire de la valeur ajoutée dans les pays du Sud et transférer les capitaux dans les pays du Nord, librement. Et ça me laisse perplexe. J'aurais aimé voir cet aspect-là discuté aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas et je vous interpelle par rapport à ça. Voilà. Donc, encore une fois, félicitations par rapport à votre intervention. C'était un bon débat. On va connaître notre deuxième final, enfin le premier finaliste de la série B aujourd'hui. Et voilà, et que le meilleur gagne.